Je suis contente de dire ma gratitude à Yuli Turovski pour toute la confiance qu'il m'a toujours témoignée en tant que musicienne, altiste dans l'orchestre, mais aussi en tant que contractante, le travail de bureau que je devais faire avec lui, engager les musiciens, faire les horaires. Et on a toujours travaillé conjointement et avec beaucoup de complicité. La première fois que j'ai rencontré Yuli Turovski, c'était à l'époque du conservatoire, lorsque je faisais ma fin de 3. Alors, j'étais amie avec Natacha Turovski, sa fille, et l'examen se passe à Montréal, donc ils m'ont logée chez eux. Puis j'ai rencontré Yuli Turovski parce qu'après l'examen, on a eu la chance de l'entendre faire de la musique de chambre avec les deux juges qui m'avaient jugée le jour même, et sa femme qui était à l'alto, Mme Turovski. Alors, ils ont lu de la musique de chambre jusqu'aux petites heures du matin. Alors, il y avait moi, Natacha, assis par terre, les yeux émerveillés, et j'ai jamais entendu un son de violoncelle comme ça de ma vie. Et ça va toujours rester gravé dans ma mémoire. Je me souviens que j'avais l'impression que le plancher tremblait. C'était d'une profondeur, c'était de la musique, c'était Yuli Turovski. Yuli Turovski. Vous savez, dans la vie, il y a des gens à qui on est redevable, comme nos parents, parce qu'ils nous ont montré la vie, ils nous ont donné la vie. Et puis, il y en a d'autres, comme nos professeurs, qui nous ont montré ce qu'on fait, notre art. Et en ce sens-là, Yuli Turovski, moi, personnellement, m'a apporté beaucoup, puisque j'ai été étudiant avec lui. Et ensuite, j'ai participé à l'Orchestre de chambre et on a eu une carrière ensemble de 26 ans. Partout au monde, on a fait une cinquantaine de disques. Donc, pour moi, ça, c'est fantastique. Je pensais pas au départ qu'on pourrait se rendre aussi loin que ça, mais je trouve que c'est extraordinaire ce qu'on a pu accomplir. Et Yuli, merci. Yuli Turovski avait un grand charisme, un grand charme. C'est une personne très charmante, qui était très à l'aise sur une scène. D'ailleurs, autant avec son violoncelle qu'avec les gens. Et très posé. J'aimais beaucoup son audace et son assurance parce que ça nous donnait de la confiance. Même quand il entrait et il se mettait à jouer le violoncelle, c'est comme si ça nous apaisait. Tellement il faisait un avec son violoncelle. Donc, sa vie, c'est le reflet de ce qu'on pourrait dire une musique vécue. Yuli Turovski profoundly touched my life. He believed in me as a musician at a time when I did not believe in myself. He taught me to create meaning in every note of every piece that we ever performed, and to create meaning in one's life, to perform and live life as if it was our last chance. Les musiciens de Montréal, pour moi, ça remonte à l'enfance ou l'adolescence, par le concert, par les disques, évidemment. Je me souviens d'avoir été complètement ébahi par cet ensemble, jouant debout, avec cœur, avec passion, et par l'homme au cœur de ce groupe-là. Un grand musicien, très grand musicien, que je découvre de plus en plus, en fait, par son ensemble avec lequel je travaille depuis quelques mois. Je ne l'ai pas beaucoup connu personnellement, mais évidemment, j'entends à travers leur jeu, à travers leur musique, toute sa force, toute leur cohérence, tout leur cœur. Il a une place particulière près de mon cœur. Et merci, Yuli. Dobroy Yuli. Nam vas ochen silna nek kravayet. Bashoy spasiba lechayem.